matin tout le monde! On parle de... Salle de bain! Le mouvement à la salle de bain! Puis on pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. Mais, comme d'habitude, en préparant ça, ben, on a trouvé plein d'affaires. Des idées. Des idées dont on peut parler. Ça peut sembler weird, le mouvement à la salle de bain. C'est pas la première pièce à laquelle on pense, je pense. Pour bouger. Pour bouger. on peut faire des exercices pendant qu'on se brosse les dents. Ben oui. Ouais, non. Mais ça pourrait être ça. On a parlé dans le passé, le studio, le vidéo live numéro 9 qu'on a fait, c'était sur le squatter à la salle de bain, dans le fond. Fait que le Squatty Potty, c'est le nom de la marque, mais c'est devenu un peu le nom de l'objet. Là, c'est le petit tabouret qu'on met devant notre toilette pour élever les jambes puis être en position de squat, ce qui serait préférable pour aller à la toilette. Parce que dans la nature, ben, on n'avait pas des toilettes en porcelaine. Surélevées. Dans la nature, quand il n'y avait pas ces technologies-là, ben, on faisait sur le sol. Donc, il fallait squatter dans une position de squat profond. Il y a plein de photos sur notre site web de nous qui fait des squats profonds, si vous demandez c'est quoi. Mais pas aux toilettes. Pas aux toilettes. Il n'y a pas de photos de nous sur la bolle. Mais, c'est juste des squats. Je pense que le profond rend mal à l'aise. Profond. Mais rapidement, je vais peut-être vous montrer en fait. C'est ça, donc, l'épisode dont Marc-Claude parlait, qui était l'épisode 9 du studio. Puis ça, c'est un squatty potty, justement, la photo de thumbnail. Donc, c'est une espèce de petit... comme tabouret, comme une espèce de surface surélevée en bois qu'on met devant la toilette pour se surélever les pieds, pour simuler, en fait, avoir une position de squat. Puis, ça a été parmi les premiers, la première marque à vraiment populariser ça, puis à un peu aussi enlever le tabou autour des produits de salle de bain, parce qu'il y a eu aussi dans les mêmes années, il me semble... le poupourri, là, qui est le push-push de toilette. Fait qu'il a commencé à avoir des pubs humoristiques sur toutes sortes de produits pour améliorer l'expérience à la salle de bain. Des squatty potty, il y en a maintenant des fancy. Il y en a en acrylique, je pense qu'il était 130$. C'était mon préféré, mais je le trouvais trop cher. On a choisi celui-là parce qu'il y a comme deux hauteurs, la manière qu'il est faite, puis il était pas pire côté. C'est pas le plus cute à mon goût, mais c'est la vie. Il fait la job. Si on peut dire comme ça. Puis là, je pense que le... la prochaine vague, là, vraiment trendy, là, ça va être le bidet. Le bidet s'en vient, tout le monde. Préparez-vous. Il va en avoir. Ben, il y en a déjà là, des petites marques là, vraiment cute. Puis là, ton bidet peut matcher avec ton support à papier de toilette. C'est sérieux, là. Oui, oui. Il y a toujours moyen de rendre les choses fancy. Mais oui, fait que là, après le squatty potty, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a vraiment à dire. Puis là, finalement... en fait, ça n'aurait pas été un sujet aujourd'hui si j'avais pas fait, on n'avait pas fait la vidéo de tournée de notre appartement où on montre pièce par pièce comment on a repensé chacun des items, comment on aménage les choses. Puis, c'est tourné, vous pouvez y accéder sur YouTube en ce moment, ça s'appelle La Maison Vivante, la visite en 2021. C'est tourné en une prise, puis c'est prise pas vraiment scripté. Là. Fait que, tu sais, c'est plus, on essaie d'être naturel puis de présenter les choses spontanément. Fait que là, quand j'arrivais à la salle de bain, à la fin, je savais pas quoi dire. Tu sais, j'étais comme, ben, il y a le squat, il y a le bidet. Puis là, tu sais, j'ai dit, ah, ben, tu sais, on a fabriqué notre papier de... ça, c'est des mouchoirs, en fait. C'est pas le papier de toilette, mais on a fait du papier de toilette en tissu pour aller avec le bidet. Puis c'est des petits gestes qui font bouger. Ouais. Ça a comme resté comme ça, mais par après, ça m'était resté dans la tête. Puis c'est quelque chose qu'on parle vraiment... constamment au quotidien, puis qu'on amène de temps en temps avec Renard, c'est l'importance des petits gestes, des micro-mouvements, mais aussi le lien avec l'environnement. Parce que c'est un peu j'ai décidé que j'allais assumer le fait que je suis obsédée dans la vie. On va assumer le fait qu'on est obsédé par... optimiser nos espaces de vie, consommer moins, plus responsablement, choisir des choses plus belles, qui ont plus de sens... comme des choses faites à la main, en tout cas. Fait que là, je me suis dit, OK, ben il y a quelque chose autour de la salle de bain. Puis j'ai aussi réalisé, je pense, dans la vidéo, je l'ai dit, là, mais c'était comme un peu mal à voir. Je sais pas si c'est en français ou dans la vidéo en anglais, mais c'est comme la salle de bain, c'est aussi le symbole de qu'est-ce qui quitte notre maison, tu sais, du déchet, absolument. De la propreté, du recyclage. Ben, tu sais, ben, peut-être mon recyclage, c'est plus la cuisine, mais... C'est là qu'on se débarrasse de ce qui n'est pas nous. C'est ça. On fait ça comme ça. Fait que mettons qu'on utilise le symbole de la salle de bain comme ça, de se dire... OK, il faut réfléchir à notre consommation, ce qui rentre dans nos vies, mais aussi ce qu'on rejette. Puis je pense que ce qui est magique
avec la vie moderne, c'est qu'on n'est pas face à nos propres déchets très longtemps. Mm-hmm. On a magiquement des camions de vidange qui viennent chercher nos poubelles, notre recyclage, même nos déchets organiques. Ouais. Et la ville se charge de... Ouais. On n'est jamais témoin, à moins de travailler dans cette industrie-là, si on veut, on n'est jamais témoin de la fin. Exactement. De cette histoire-là. On met les choses... On flush, on met les choses sur le bord de la rue, puis ça disparaît, puis c'est en dehors de notre esprit, disons. Je pense qu'il y a une discussion sociale de plus en plus forte autour du fait que c'est problématique, qu'on ne voit plus la chaîne entière de notre consommation. Mm-hmm. C'est un sujet qu'on a parlé d'ailleurs avec Karel Ledru, qui est ébéniste, qui lui donne une deuxième vie à des meubles. Mm-hmm. Qui est passé au podcast. Il y a une compagnie qui s'appelle Les Gaspilleurs, puis notre réflexion, c'était autour de ça, le fait que la chaîne de production est rendue tellement longue, on voit juste un petit maillon. Mm-hmm. Nous, tu sais, c'est le maillon, on consomme, puis on rejette, mais on n'a même pas à gérer ni la production, ni le rejet, le déchet. Mm-hmm. Puis ça, c'est problématique, parce qu'on c'est là qu'on perd le lien entre... Le sentiment que nos gestes ont un lien sur l'environnement. Ouais. On perd la connexion avec l'environnement, notre communauté, puis mm-hmm. je pense que dans... toutes sortes d'industries, il y a des gens maintenant qui veulent ramener ce lien-là en alimentaire, de dire on veut faire des circuits courts. Non, les vêtements, la nourriture, plein d'objets. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, nous, c'est dans cette sphère-là que nos réflexions pour la salle de bain émergent, de dire, OK, c'est quoi le lien entre nos gestes de consommation puis l'environnement. Puis c'est quoi, justement, tous ces petits gestes-là qu'on a faits dans les dernières années. Mm-hmm. Puis ça se rapproche du zéro déchet, en fait. Là. Si vous êtes déjà là-dedans, dans ce mouvement-là, il y a peut-être des choses qu'on va présenter que c'est vraiment des classiques pour vous. Nous, on essaie juste de tisser... Parce que le zéro déchet, c'est beaucoup pour l'environnement. Ouais. Puis des fois aussi le plaisir de l'artisanat. Mais nous, on essaie de rappeler que ça a rapport aussi à comment on bouge. Notre vie physique au quotidien. Parce qu'on en a déjà parlé, mais plus en trait peut-être avec la nourriture, mais de dire comme on a beaucoup externalisé les mouvements qu'on devait faire avant pour avoir de la nourriture. Mm-hmm. C'est-à-dire cueillir des choses, chasser des choses, ben c'est plus ce qu'on fait. Là, on peut carrément peser sur un bouton, puis la nourriture arrive à notre porte. C'est comme ça pour la nourriture en ce moment. Puis nous, on essaye de ramener du mouvement dans l'étape d'acquérir la nourriture puis de préparer exactement. La nourriture. Parce que c'est important. Puis plus on externalise nos mouvements, ben plus on se retrouve dans une position où on doit compenser pour ça avec des entraînements ou comme inclure le mouvement de façon peut-être moins naturelle qu'on le faisait avant. Puis c'est ça, on peut le faire. Il faut y penser pour la nourriture, mais il faut y penser pour tout, en fait. Tout ce qu'on consomme. Dès qu'on consomme quelque chose, il y a eu plein de mouvements qui ont réussi à matérialiser cette chose-là, puis à la transformer, puis à la mettre dans nos mains, ben pourquoi pas s'approprier ces mouvements-là, tu sais? Parce que c'est vrai que quand on parle de, tu sais, le cycle de vie d'un produit, on parle beaucoup à l'impact matériel, tu sais. Il y a des gens qui vont s'intéresser à l'impact humain en termes de créer des choses qui sont équitables. S'assurer que tout le monde dans la chaîne est bien payé. Exactement. Dans de mauvaises conditions. Puis l'idée qu'il y a un mouvement, il y a une dépense d'énergie, soit par une machine ou par un autre humain ou par... des humains qui ont construit une machine pour faire la tâche. Je pense que je sais d'où l'idée vient. Quand tu as dit externaliser ses mouvements, je pense que je sais quand cette idée-là est arrivée dans nos vies. Je ne sais pas si tu vas en parler. Subtile passe sur la palette. Non, mais tu sais, il y a des idées qui nous marquent dans la vie. Puis des fois, c'est pour ça qu'on fait le club de lecture. On partage des livres qu'on aime parce que c'est comme... Il y a des choses, des fois, on apprend puis il n'y a plus de retour en arrière. Mm. Ça change notre vie à jamais. Ça change notre vie à jamais. Puis je pense que cette idée-là, que si on bouge pas, quelqu'un d'autre le fait pour nous, on sait exactement d'où elle vient. Ça vient du livre Movement Matters de Cathy Bowman. Oui, encore Cathy Bowman. On parle tout le temps de Cathy Bowman, mais c'est vraiment une auteure, puis une biomécanicienne, en fait, qui nous inspire, puis qui nous a beaucoup inspiré, puis qui continue de nous inspirer. D'ailleurs, elle sort un nouveau livre bientôt qui s'appelle Grow Wild, je pense. Oui, c'est vrai, pour le mouvement avec les enfants. Nous, il est précommandé en plus pour les enfants, donc. On a bien hâte de feuilleter ça, mais l'exemple, je pense qu'elle donnait dans son livre, c'était par rapport à une poche de thé, ça se peut-tu? Oui. C'est-à-dire qu'avant, ben, pour matérialiser une poche de thé, c'est drôle de le dire comme ça, mais c'est quand même ça, il faut faire pousser du thé, il faut le cueillir certaines feuilles, il faut faire sécher ces feuilles-là, il faut les moudre, si on veut,
Après ça, ben, il y a toute la poche aussi qu'il faut réussir à matérialiser. Donc, il y a plein de mouvements aussi pour créer cette poche-là, mettre le thé dans la poche. Puis après ça, ben, une fois qu'elle est finie, ben, il n'est pas chez nous. Fait que, tu sais, comme il faut transporter cette poche de thé-là jusque dans notre maison. Fait que là, c'est du thé qui vient de carrément Chine, l'autre bout du monde. Ben là, c'est un pas pire trajet, tu sais. Puis c'est ça, c'est un mouvement qui est externalisé. Parce que encore, la poche de thé remplace quoi, en fait? La poche de thé remplace... Je sais pas ce que tu veux dire. Ben, dans le fond, aussi, un de ces points a fini en disant, tu sais, nous, on reçoit la poche de thé, on trempe notre thé... Mm-hmm. On trempe notre thé 30 secondes, on la jette. Puis il y a un déchet de ça. Oui, on s'en débarrasse assez rapidement. Mais avant que la poche de thé existe, ce qu'on aurait fait, c'est on aurait fait infuser les feuilles, on l'aurait raclé. Des feuilles qui poussent sûrement proche de la région, tu sais, comme... Mais, exactement, ouais. Tu sais, des trucs naturels, mais en termes biomécaniques, ce qu'elle amène, c'est que les technologies, tout ce qui nous entoure, il y a plein de technologies qui enlèvent du mouvement dans nos vies, dans les plus petits détails. Puis ce que j'aime... Je pense qu'on aimait de l'exemple de la poche de thé qu'on ramène souvent, c'est qu'elle ne va pas donner l'exemple, mettons, de la voiture, parce que c'est vrai que la voiture enlève un certain moment dans nos vies, ça influence comment nos villes sont design, etc. Ça, c'est comme... On est capable de concevoir comment, mais de réaliser, de dire, ah oui, c'est vrai, même une poche de thé m'enlève du mouvement parce que c'est plus facile de le tremper puis de le jeter que de mettre le thé en feuille, dedans. Puis de juste devoir racler la tasse. Ou filtrer. Exactement. Mais c'est plein de mouvements, ça. Puis c'est ce qui est spécial avec... On peut quasiment parler de la santé en général comme ça. On peut dire, ouais, mais c'est niaiseux, là, c'est une toute petite chose de rien du tout. Mais c'est l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui font en sorte qu'il n'y a plus de mouvement dans nos vies. Qu'il n'y a plus de mouvement dans nos vies, c'est ça. Oui. Puis l'autre exemple qu'elle donne dans le même ordre d'idée, c'est la manette à voiture. Tu sais, de dire, tu sais, on est rendu là dans la vie, là. Tu sais, on a une manette à voiture qu'on peut juste peser sur un bouton pour démarrer à distance, puis on n'a même plus à tourner un poignet pour démarrer une porte. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant juste un pouce. Exactement. Sûrement qu'on va voler avec des pouces fantastiques, mais je pense pas que c'est à notre propre avantage de délaisser avec tout le reste. Des Xbox, puis commander de la bouffe sur Uber. Puis... fait que c'est ça qu'on aime d'elle, c'est qu'elle nous fait voir la vie quotidienne différemment. Puis c'est là, à mes yeux, que de faire des gestes dans la salle de bain, c'est le sujet qu'on s'en vient, ça devient plus anodin. Quand tu comprends ça, puis de dire, OK, ben au lieu d'acheter une poche de thé, c'est quoi les comportements qui amèneraient plus de mouvement? Mais c'est pas juste de racler la tasse, c'est que si tu veux du thé en feuilles, il y a aussi l'idée que, tu sais, souvent, un mouvement vient avec plein d'autres mouvements. Il vient pas tout seul, il vient en gang. Oui, absolument. Le mouvement vient en gang. La gang des mouvements. on va être les seuls dans le studio, mais c'est sûr. En tout cas, mais... Si vous voulez être dans gang, contactez-nous. C'est un peu comme de dire, au lieu d'étirer la chaîne de production pour que notre thé soit produit genre vraiment loin puis créé dans plein de packaging puis qu'on se déplace même pas au magasin puis qu'il est livré à notre porte par Amazon, comment on flippe ça pour ramener plus de mouvement? Mais c'est ça, c'est de dire, t'es en feuille, t'sais, aller l'acheter en vrac, faire le déplacement à pied pour se rendre là-bas, faire notre épicerie, ramener des choses dans des sacs, transporter ces charges-là. C'est ça qui fait qu'on ne change pas juste un mouvement, c'est qu'on change des façons de faire, on change un style de vie, on change nos journées au quotidien qui fait qu'à plein de moments, le même geste qui est de boire un thé se remplit de mouvement. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres étapes qu'on peut assumer. Tu sais. Puis là, on va aller jusqu'à jardiner, se dire, oh wow, OK, je peux faire pousser ma propre menthe. Il y a plein de choses qu'on peut faire pousser au Québec, exactement. Qu'on oublie, mais puis on peut se faire des thés avec ça. Tu sais. Puis c'est drôle parce que, une drôle de coïncidence, en fait, c'était pas prévu, mais pendant la nuit, j'ai fait infuser des champignons. Parce que ça sent pas bon, mais c'est bon pour la santé, en fait, des infusions de champignons. Mais c'est des champignons qu'on a cueillis nous-mêmes, dans la forêt, avec un ami naturopathe, on était de la cueillette de champignons sauvages, parce que ça prenait quelqu'un pour nous dire quel champignon prendre, quel champignon pas prendre. Mais ça crée une expérience complètement différente. Ah, les champignons que j'ai fait infuser, je pense que c'est surtout ils appellent ça des artist conch, parce qu'on peut dessiner dessus, en tout cas, vraiment fancy. Mais j'ai moi-même cueilli
sur l'arbre, tu sais. Puis là, je les fais infuser. Mm-hmm. Puis là, je vais les filtrer tantôt. Fait que, tu sais, c'est toutes ces expériences-là. C'est un peu comme l'été, mais tu sais, c'est ça. Mm. C'est ça. Parce que c'est que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais les moments, les mouvements, c'est des moments de vie aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis cette cueillette de champignons-là, ben, ça a été une super belle expérience, puis ça va être un bon souvenir. Même chose que si on fait pousser du thé, si on fait pousser de la menthe, puis on essaie de la faire sécher, de la broyer, quand on va boire ce thé à la menthe-là, ça sera pas la même chose qu'un thé à la menthe acheté à l'épicerie. Mm-hmm. Absolument, ça goûte différemment. Puis c'est pour ça que je pense que c'est ce que j'aime quand même aussi de la part de Cathy Bowman, c'est qu'elle parle du mouvement d'un point de vue de l'expérience qualitative, puis pas juste de dire, mm-hmm. à aucun moment elle dit, fait que là, racler ton thé tant de fois par année avec tes mains. C'est tant de calories. C'est tant de calories, donc ouais. C'est tant nananana, puis c'est l'équivalent de courir tant de marathons sur l'espace de... Tu sais, comme, elle n'est pas dans la quantification de nos mouvements. Ce qui est le vieux paradigme de dire qu'il faut bouger tant de minutes, il faut brûler tant de calories, il faut avoir tant de centimètres de tour de biceps pour être un humain normal. Est vraiment dans le qualitatif, puis elle fait toujours des parallèles avec le milieu alimentaire pour dire c'est comme il faut des mouvements nourrissants. Puis des mouvements nourrissants, il y a comme des macronutriments, fait des grands mouvements, mais il y a aussi des micronutriments. Mm-hmm. Puis ça a l'air, on va finir, je pense, là-dessus parce qu'il faut parler de la toilette. Là, ouais. Mais... on va revenir à la toilette. Mais c'est de dire. OK, puis même quelqu'un là, qui serait prickly ou qui se dirait « OK, mais prouve-moi que faire bouger ses mains, ça a une valeur quelconque. » Mm-hmm. Bien, j'ai lu une étude, d'un article qui expliquait que les enfants, aujourd'hui, avaient une moins bonne motricité fine puis que ça avait un impact sur leur capacité à écrire, apprendre à écrire. Mm-hmm. Puis d'un autre côté, j'ai lu un article sur les étudiants en chirurgie, que c'était le même constat qu'ils avaient une moins bonne motricité. Mm-hmm. Puis que ça l'impactait leur capacité à faire certaines... Des manipulations. Manipulations. Fait que là, tu te dis, OK, on est rendu là. Tu sais, comme, on est rendu là, puis quelqu'un pourrait dire, so what? Les chirurgiens vont faire leurs opérations de plus en plus par des machines. Mm-hmm. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont construit les machines. C'est une autre... Je dis pas que les chirurgiens devraient tout refaire à la main. Là. Non. Mais c'est toujours ce paradigme-là de dire, est-ce qu'on veut juste, dans nous, notre quotidien, parce qu'on n'est pas des chirurgiens qui avaient besoin de toute technologie, mais est-ce qu'on veut toujours déléguer la job à un objet ou on veut investir dans nos capacités à nous? Mm-hmm. Puis le choix que nous, on fait au quotidien, c'est d'investir dans nos capacités pour vivre des moments. Puis la satisfaction de créer des choses avec ses mains, je pense que c'est ça. Oui, oui. En tout cas. OK, fait salle de bain. On retourne à la toilette. Fait que... Après le squat petit, je pense qu'on a acheté un bidet, en fait, avant le squat petit. Ouais, le bidet, ça va faire 3 ans, je pense, qu'on l'a installé sur notre toilette. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment avant. Fait que nous, quand il y a eu une crise de papier de toilette dans la dernière année, on a zéro été impacté. Ça n'a rien changé. Mais j'ai dit qu'on allait parler de toilette, mais il y a juste une citation de Cathy Bowman que je trouve magnifique. Okay. Je ne sais pas si tu peux la montrer. Montre mon dessin. Fait que, en fait, si vous voulez voir les notes sur le site web, page studio. Fait que dans le club de lecture, on a le livre de Cathy Bowman. Si tu veux remonter, juste montrer les dessins, s'il vous plaît. Les beaux dessins que Marc-Claude a fait. Ouais, j'ai commencé à faire des bonhommes allumettes à peu près vers ce temps-là, puis là, j'ai jamais arrêté. Quand vous voyez les enfants de même, c'est mes petits dessins, mais on a couvert le livre dans le club de lecture, j'ai mis le lien. Puis l'exemple qu'on a donné est illustré. Puis la citation que j'adore en dessous, c'est Cathy Bowman, justement. À la première page, je pense, de son livre, elle dit on a un rôle dans l'écosystème, puis c'est pas une position statique sur le top de la pyramide alimentaire. Mm-hmm. Comme on se le fait dire souvent, là, cette pyramide-là, que l'homme est au-dessus de tout, c'est on a un rôle qui est dynamique et critique pour tous les autres êtres vivants de cette planète. Bien, cool comme station. C'est tellement beau, hein? Mais c'est ça, pour nous, le mouvement, c'est pas juste d'être des consommateurs passifs, c'est d'être des acteurs dans notre propre vie, d'être des créateurs. Mm-hmm. Fait que c'est vrai. C'est un mantra qu'on essaie de se répéter. OK. OK. On parle de toilette. Le moment. On dirait qu'on tourne autour du pot. Vince a juste hâte d'être papa. Oh, parce que Dieu. Si c'est un des premières vidéos que vous écoutez, je suis enceinte et... Vince pratique ses jokes de papa depuis un bon moment. Depuis puis il y en a, 15 ans. Il y en a un autre ami qui a des excellents jokes de père. En fait, il est vraiment... Il,
je m'excuse, mais il est quand même le maître. On n'est pas dans la même ligue. Il n'est pas dans la même ligue. Puis là, il vient d'avoir une petite fille et il a vraiment écrit sur Facebook, maintenant, c'est vraiment des jokes de papa. Mmh, c'est officiellement. C'est officiellement. Après des années de pratique. Fait que ça devait. On a eu un bidet depuis à peu près 3 ans. Ça venait juste d'un brainstorm sur comment changer nos habitudes. On fait tout le temps ça. Dès que j'ai fini un aménagement ou qu'on a un nouvel objet ou qu'on a une nouvelle habitude que j'aime et que la routine est établie, notre cerveau repart sur reparti. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Fait que le bidet est venu, je pense que c'était une question de consommation de papier de toilette. Souvent, des fois, l'argument, c'est soit pour la planète, soit pour nos mouvements ou soit pour l'argent. Oui, bien même pour l'hygiène aussi. Pour l'hygiène aussi, pour là, l'hygiène, dans le sens que... Oui, exact. Ben, c'est ça, il y a un besoin d'hygiène qui est là aussi. Puis là, je pense qu'au niveau de l'argent, j'étais curieuse en me disant, bien, le papier de toilette, c'est de l'argent qu'on flushe. C'est vraiment ça. On flushe. Est-ce que vous prendriez un 10$ et vous le flusheriez dans la toilette? On prend du papier, on nous donne un autre papier en échange, puis on flushe. Là. On flushe. C'est ça un peu comme, tu sais, il y a des chefs qui parlent du gaspillage alimentaire. Ils disent, il y a un chef récemment, je pense, qui a dit, on jetterait jamais des cents dans la poubelle, genre, tu sais, ou des piastres dans la poubelle, ou de l'argent dans la poubelle de même. Là, tu sais, on échappe une scène à terre, on la ramasse. Mm. Mais on jette de la bouffe passée date, des fois comme si de rien n'était. Mais c'était de l'argent, là. Mm-hmm. En tout cas. Ça a de la valeur. Fait que, même chose, je pense que c'était une de mes... Je pense que c'est à partir de là. Je m'en rappelle plus exactement, là. Je pense que c'est à partir de là, de dire, je veux-tu vraiment flusher mon argent comme ça? Puis là, après, je me disais, ben là, l'idée d'un bidet, la seule place que j'en ai vue, moi, c'est en Europe, j'en ai jamais utilisé. Mm-hmm. Toi, tu as une expérience en Inde, justement, où tu devais squatter aux toilettes. Oui, bien, c'était pas la même. C'était pas nécessairement des beaux petits bidets comme nous, on a maintenant. C'était un peu. J'étais en voyageant en Inde, les premières fois où j'étais forcé d'utiliser un bidet, parce que tu peux traîner ton papier de toilette en Inde, il n'y a personne qui va t'arrêter. Mais on était allé dans un village, en fait, qui était vraiment isolé. Puis c'était l'équivalent d'une bécosse québécoise. Là, c'était un petit shack dans le bois où on allait faire nos besoins. Puis c'était un trou dans le sol. Puis le système, l'espèce de système qu'ils avaient eux-mêmes construit, ben on pouvait pas utiliser le papier de toilette. Ça bloquait les tuyaux faits maison. Okay. Fait il y avait un petit pot d'eau. Puis c'était même pas un jet d'eau, c'était un pot d'eau. Puis toi, tu prenais ta main pour t'asperger d'eau? J'ai jamais demandé comment faire. Okay. Je me suis arrangé pour le faire. Mais la règle, je pense, c'est que tu le fais avec la main gauche. Oui, mais ça, c'est important. Jamais avec la main gauche. Non, c'est ça. Parce qu'en Inde, ils mangent beaucoup avec leur main, en fait. Là. Mais pas la gauche. Mais pas la gauche. Si vous rentrez dans un restaurant, il n'y a personne qui va manger de sa main gauche, c'est certain. Puis si vous mangez avec votre main gauche, vous allez peut-être vous faire juger un petit peu par la populace locale. Fait que c'est ça. C'est une expérience que j'ai vécue. Puis dans certains hôtels, je veux dire, même si c'était pas des hôtels 5 étoiles, il y avait des petits bidets des fois, puis on pouvait les utiliser. Mais ce qui était aussi difficile, puis on en a parlé dans l'épisode numéro 9 qu'on mentionnait tantôt, mais c'est plus la position de squat, en fait. C'est d'arriver dans ces pays-là, puis c'est pas... Tu vas-tu tenir ses murs? On n'avait pas... Oui. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je me tenais sur le mur en arrière, puis là, je me baissais le plus que je pouvais. J'essayais de viser le trou dans le sol, puis c'était à peu près ça, tu sais. Mais tu sais... C'est ça. Fait que c'était plus difficile que d'utiliser un bidet. Utiliser un bidet, c'était pas traumatisant. C'est plus le squat. C'était plus le squat qui était difficile. Okay. Parce que si on n'est pas capable de squatter, ben ouais, c'est ça a l'air fou. Là, pas, là. Ouais, ouais. C'était pas comme en 2 semaines que... Comme, la position est ultra simple, mais si on n'a pas la musculature... Aussi, la flexibilité, la mobilité... On peut pas juste pas le faire. Non, c'est ça. Mais oui, en effet, c'est quelque chose que j'ai rencontré en Inde, puis ça m'avait quand même marqué parce que j'avais jamais considéré me laver juste avec de l'eau. OK. Tu sais, à la toilette, au lieu d'utiliser des papiers. Puis ça, c'est resté. Puis c'est revenu quelques années plus tard. Je m'en rappelle plus dans quel contexte. Je crois que c'est quand j'écrivais un blog qui s'appelait Rafiki à l'époque. Puis je mettais beaucoup de choses en question dans ma vie. Je retirais des objets, puis j'essayais de voir c'est quoi l'impact. Tu faisais des tests pendant une semaine, en fait. Ouais, exact. Puis ça, je pense que je ne l'ai pas fait parce qu'il faut un bidet pour voir. Le faire. On veut pas juste. De vivre sans papier toilette. Vivre sans papier toilette. Mais c'était quand même une des choses que je me disais, j'aimerais ça faire ça un jour, tu sais, parce que ça faisait beaucoup de sens pour économiser de l'eau, en fait. Il y avait ça. Pas de l'eau, économiser de moins utiliser de papier toilette, moins consommer, en fait, c'était surtout ça. Puis je veux dire, il y a quand même une certaine abondance d'eau au Québec, fait que c'est pas. Si on était dans le désert, peut-être que ce serait différent, mais comme c'est une ressource qu'on a quand même, qu'on a beaucoup. Puis c'est ça, fait qu'il y avait cet aspect-là, il y avait l'aspect, moi, c'était surtout l'aspect hygiène, en fait. Puis en écoutant
des vidéos ou des reportages là-dessus, ça m'avait un peu marqué que, de dire que, ben, tu sais, avec du papier de toilette, on étend puis on frotte ce qu'on essaye d'enlever sur notre peau, tu sais. Fait qu'il en reste toujours. Tandis qu'avec ça, avec un bidet, ben, il ne reste rien. C'est comme se laver, en fait, à chaque fois qu'on va à la toilette, au lieu de s'essuyer, c'est vraiment ça, mais de frotter un peu. Ben, moi, je me demande, peau, parce que t'sais. Pour reculer encore plus loin, là, quand il n'y avait ni papier de toilette, puis qu'on n'avait pas même pas des petits cups à transporter de l'eau, là, parce qu'une tasse, c'est une technologie, puis elle n'a pas toujours existé. Là. Je veux dire, à une époque, l'humain était dans la nature complète, puis il n'avait pas encore inventé toutes les bébelles. Fait qu'il était comme un. Comme un singe, là, avec des items rudimentaires. Ouais. Comment on faisait? Tu sais, je me dis, même le papier de toilette, là, dans la nature, là, moi, mes singes... Puis j'ai pas fait tes recherches. Mm-hmm. Mais c'est une bonne question. Ben, parce que c'est vrai qu'on n'essuie pas nos chiens quand ils font leurs besoins. Ou... Non, c'est ça. Mais il n'y a aucun animal qu'on va essayer. Même moi, c'est au niveau des femmes aussi, l'hygiène, comme le pipi, là. Mais j'ai pas la réponse. Mais c'est le genre de question qu'on se pose, là, de dire... Comment notre corps faisait sans papier de toilette ou sans bidet même, tu sais? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avait pas des infections urinaires autant? Parce que, en tout cas, donc, il doit avoir un aspect nutrition. Puis je pense que le squat joue aussi, là, que la position du squat amène moins de friction avec ce qu'on évacue. Peut-être, ça, c'est ça. Un peu comme un chien, tu sais, le chien va squatter aussi. Tu sais, n'importe quel animal comme squatte un peu pour aller pour faire ses besoins. Pas trop de choix. En tout cas. C'est. On veut pas aller dans le trop technique. C'est la question qu'on se pose tout le temps, mais moi, c'est la question que je me pose constamment, c'est de dire, OK, comment est-ce que. Je pense que c'est ça l'idée du zéro déchet ou de consommer moins, c'est de dire il y a une étape où on veut consommer écologique, fait qu'on remplace nos produits par des alternatives plus écolo. Fait que c'est. Merci aussi au Québec, on a de la papeterie, on a comme Cascade qui fait du papier de toilette recyclé. C'est ce qu'on utilisait le plus souvent. Ouais. Là, après, c'est ça. Fait que là, l'étape, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux avoir un papier toilette qui n'est pas bleaché, qui n'est pas blablabla. Puis là, après, c'est de dire, comment je peux remplacer le papier toilette? Il y a des gens qui vont faire des serviettes en tissu, tout simplement. J'avais pas envie de nettoyer ça. Comme l'idée, le bidet, moi, j'ai fait des papiers toilettes en tissu. Ouais. Je sais pas comment appeler ça. Papier de toilette en tissu. C'est comme tissu de toilette. Tissu de toilette. Des tissus de toilette. C'est juste pour parce que je suis princesse puis je vais éponger l'eau. C'est tout. Tu sais, parce que le bidet, comme, fait la job. Puis là, c'est de dire, OK, si tu remplaces en tissu. Puis là, après, c'est de se dire, pour moi, la consommation ultime, c'est l'absence. L'option ultime, c'est l'absence de consommation. C'est de dire, est-ce que je peux me passer de la chose carrément? Est-ce qu'on peut enlever cette technologie-là carrément? Puis souvent, mon réflexe, c'est de me dire, ben il faut d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a déjà vécu, là, on parle de l'humain, là, des milliers et des milliers et des milliers d'années vécu sans ces choses-là. Fait comment le corps s'est développé sainement, sans papier de toilette? Il y a des mécanismes qu'on ne connaît plus, parce que c'est impensable de vivre sans ces trucs-là d'hygiène, mais en tout cas, c'est à voir. C'est en effet souvent... Toutes tous les épisodes de studio qu'on a fait, que c'est vivre sans quelque chose, vivre sans bassinette, vivre sans poussette, vivre sans papier toilette, vivre sans divan, c'est souvent... Au cœur de ces épisodes-là, c'est souvent une question qu'on s'est posée, tu sais, de dire, OK, cette technologie-là existe, a un impact sur nous. Est-ce qu'on est obligé d'interagir avec cette technologie-là? Est-ce qu'on est obligé de l'utiliser, en fait? Ou parce qu'on s'entend, toutes les technologies autour de nous, il fut une époque où il n'y en avait pas. Exactement. Biologiquement, on n'en a pas besoin. On a peut-être créé des besoins, puis, tu sais, comme là, le papier de toilette, peut-être que ça vient du fait justement qu'on squatte plus aux toilettes. Puis, tu sais, les technologies finissent par se superposer puis s'additionner. Fait que d'essayer de revenir un peu en arrière puis de retirer des choses, ça donne naissance à plein de contenus qu'on crée, en fait. Par rapport au mouvement, parce qu'on se rend compte que, justement, on a externalisé trop de mouvements à travers des technologies. Puis là, on a des carences. Puis là, il y a des problèmes de santé qui émergent à cause de ça, globalement. Partout dans le monde. Puis là, c'est de dire, OK, comment on peut réintégrer du mouvement au lieu d'essayer de continuer d'utiliser des technologies ou des choses pas naturelles pour compenser nos lacunes. Parce que là, OK, est-ce que je cours sur une machine spécialisée pour bouger plus? Mais là, tu sais, ça devient c'est un peu une tour de Babel, là, ça finit par s'effondrer, les technologies, parce que il faut des sujets plus épais puis plus moelleux parce que nos planchers sont
trop rendus, sont durs. Oui, que là, mais... si on court sur du trop dur, il faut mais des là, on... souliers, puis là, on s'éloigne, on court mais... à l'opposé de la toilette. Mais on va à la toilette. Mais un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans notre série « Vivre sans quelque chose », c'est pas juste de vivre sans la chose puis vivre une vie misérable et inconfortable. Non. En fait, c'est nous, c'est de combler nos... C'était le sujet un peu la semaine dernière. Ouais. C'est pas juste d'enlever quelque chose, c'est de dire comment est-ce qu'on peut répondre aux mêmes besoins, mais différemment. Mm-hmm. C'est parce que nous aussi, on aime le confort, on aime ben oui. se sentir propre. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau du bidet, on peut montrer des photos. Ouais. On a... c'est le modèle qu'on a choisi, là. On a... Pas de... Moi, j'ai choisi lui. Je pense que j'ai mis la photo de je pense ah, ben ça oui, vient d'Amazon. Je ne sais même pas si c'était cette marque-là ou si c'était une copie. Oh, c'est, genre... c'est pas pour vous le vendre. Il y en a plein d'options. Il y a plein d'options. Celle-là, il est comme il est vraiment bien coté, en fait. Puis, il n'était pas, pas si cher. Il n'était pas si cher. Puis, nous, on l'a depuis 3 ans, puis il est encore ouais. impeccable. Fait que vous pouvez voir en bas comment ça s'installe. J'ai repris les photos d'Amazon. Mm-hmm. Mais tu sais, sur la toilette à droite, c'est pas notre toilette. Notre toilette est moins jolie que ça. C'est pas la photo, mais ça... C'est vraiment facile à installer. Ça a pris comme 1 minute. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on vient juste rajouter entre le tuyau d'entrée d'eau qui rentre dans la toilette. Puis c'est comme un T qu'on rajoute là. Puis il y a une petite balle. Ça suspend sur le côté. Ça paraît même pas, en fait, de l'angle quand on rentre nous dans la salle de bain. Puis c'est ça, mais il y en a des modèles comme intégrés à la toilette. Moi, j'aimais mieux la flexibilité puis la malléabilité d'une tête lousse parce que je m'en sers aussi pour arroser mes plantes dans la salle de bain. Ça me fait une petite hausse. C'est ça, c'est une petite hausse. Fait que je me dis, ah, j'aime les choses multifonctionnelles. Fait que l'idée que ce soit un bidet intégré à la toilette, j'aimais moins ça. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait qu'on a une petite hausse pour les plantes et pour nous, en fait. Ouais. Fait que là, après ça, ce qui est venu, c'est de dire, OK, j'utilise moins de papier de toilette. Mais comment je peux en utiliser encore moins? Puis rassurez-vous aussi, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a des choses qu'on garde pour nos invités, puis parce qu'on veut que les gens qui viennent chez nous se sentent normal. Fait que si jamais vous venez chez nous, on a encore du papier de toilette. On a du papier de toilette. On peut accueillir des gens. Exactement. Convenablement. Ouais. Mais ce que ça l'a amené après ça, c'est de dire, OK, mais comment je peux utiliser encore moins de papier de toilette? Puis c'est là que c'est pas les ça, c'est les mouchoirs. Fait que c'est pas mon tissu de toilette. Mais c'est le même tissu, c'est la même flanelle. On ne voyait pas à côté de ton chandail. Ah, OK, pardon. Fait que c'est juste la flanelle qu'on a achetée au magasin. Encore une fois, vouloir faire des choses, ça amène du mouvement. Y en a sur Etsy qui s'achètent, mais j'ai décidé de marcher, aller sur une boutique sur Saint-Hubert, acheter du tissu, le couper, le préparer. La machine à coudre était chez mes parents. Fait que là, ça fait un contact avec mes parents. On va leur dire salut, on leur demande de l'aide. Puis finalement, j'ai fabriqué les tissus de toilette. Des petits carrés. J'ai fait la même grosseur qu'un papier de toilette. Mm-hmm. Mais c'est une erreur. Je trouve un petit peu trop petit. En fait, j'aurais fait double. OK. Mais comme deux petits carrés. Deux petits carrés. Okay, c'est un petit carré. Ça aurait été un rectangle. Okay. Mais c'est pas à la fin du monde. Puis là, sinon, ben, ce qui est arrivé, c'est que si on suit, je pense qu'en tout, c'est ça que j'ai écrit, là, excuse de l'image, là, la métaphore du jardin, là, c'est que souvent, quand on fait un petit geste, une fois que c'est fait puis qu'on est habitué, on a toujours envie d'en... On en fait un autre, puis on en fait un autre, puis il y a un momentum qui se crée. Fait que là, après avoir fait le papier toilette, il me restait du tissu, fait que j'ai fait, hey, je préfère des mouchoirs. Mm-hmm. Puis, c'est super doux. Pis c'est ça, de dire changer des comportements, des fois, on a peur de renoncer à un certain confort. Mm-hmm. Mais en fait, moi, j'adore ça. J'aime vraiment mieux ça qu'un papier toilette. Tu sais, le fameux mouchoir normal. Le nez irrité là, quand on a le rhume. Là. Not anymore. No more. No more. Mais je pense que c'est ça la même chose avec ta soeur qui a du papier et du tissu de toilette. Ses enfants, c'est-tu Logan, en tout cas son neveu, que quand il va ailleurs, il est comme « Ah, c'est le papier qui pique les fesses, c'est-tu ça? » Ouais, c'est le papier qui pique les fesses. Ou quelque chose du genre, justement, comme on... Les compagnies papier toilette veulent rendre ça de plus en plus douillet et moelleux, mais je vous dis, la flanelle comme ça, là, c'est génial. Ouais. Puis là, le comble du luxe, c'est que dans... Mon père, avant, tu sais, que la vague minimaliste soit populaire, plusieurs années, il était dans la simplicité volontaire. Je pense qu'il s'associait à... C'est moins trendy, le mot, là. C'est moins cool, mais depuis des années, il patente des affaires, puis il fait des choses à la main. Puis dans nos bonnes Noëls, maintenant, on se retrouve avec de plus en plus de choses faites à la main. Il nous a fait des balles de séchage à la main.
Mm-hmm. Puis moi, ce que j'ai fait, je les ai infusés de... J'ai mis des gouttes d'huile essentielle dessus. Puis là, je mets mes mouchoirs dessus. Fait que là... Fait que là quand je me mouche, ils sentent bon! Hein? Bref. Bref. On peut être... vivre une belle vie confortable en consommant. Oui. Ouais. Donc, la métaphore du jardin, ça ne s'est pas arrêté là. Les petits gestes se multiplient. On a reçu, on avait deux vieilles serviettes. Ouais. Qui tiraient sur le jaune un peu. Oui, qu'on se sent putain comme propre quand on sort de la douche, puis on s'essuie, puis tout. Puis là, il y a une partie de moi, la partie de moi paresseuse qu'on a tous en dedans de nous, qui est comme, je vais juste les domper aux poubelles. Moi, juste les faire disparaître. Juste les faire disparaître de ma vue, là. Ouais. Je vais juste les domper aux poubelles. Puis je vais aller comme, mais au même moment, à peu près, j'avais besoin de guenilles. Mm-hmm. Puis là, je me disais, c'est lame, là. Je vais pas m'acheter, genre, domper des serviettes qui sont encore, tu sais, résistantes, sont plus douces, mais... Puis m'acheter des guenilles neuves, même si c'est pas cher, même si... Fait que là, ça me prend un effort, là. C'est comme, on fait toutes ces choses-là, mais nous aussi, il faut combattre la petite voix qui dit, fais juste rester assis, ouvre ton sel, commande quelque chose sur Amazon. La petite voix qui murmure, là, tout le monde. Exactement. On l'entend tous. Fait que là, j'ai fait, je vais les couper, ils vont faire des guenilles avec. Je savais pas si aller à la longue toutes ces filochées de manière dégueulasse, parce que j'avais pas envie de toutes les coudes, parce que c'est niaiseux, mais deux serviettes pas si grandes, ça allait donner un capon de guenilles. J'en ai photo, comme là. Trois fois ça, je pense. On le voit, là, puis, sur les photos, là, il y en a de la guenille. Ça n'en a fait. Puis j'ai fait, bon, je vais les couper, puis mes ciseaux étaient plus aiguisés, fait que là, c'était un peu long, puis là, j'ai gossé, puis tout. Puis j'étais comme, oh, je sais même pas ce que ça va donner, puis tout. Mais finalement, j'adore ça. Parce que je pense que ce qu'on aime aussi du feeling avec des trucs jetables, tu sais, comme les Swiffer jetables ou les suitous, c'est que t'es comme, t'essuies, puis après, tu y penses. Comme, tu dompes la bébelle, puis tu y penses plus, mais comme... On en a tellement maintenant de guenilles de même. Je sais que c'est une seconde vie. Fait que, tu sais, si jamais ils se magarent puis il faut que je les jette, je me sens comme moins mal déjà. Mm-hmm. Puis finalement, ils ne s'effluchent pas tant que ça. Puis ça me donne le sentiment. Il y en a tellement que c'est comme... On n'est jamais arrivé au bout. On n'est jamais arrivé au bout. Pour de vrai, c'est comme une pilote comme ça. Fait que ça me donne le même sentiment satisfaisant que je peux en utiliser une un petit peu pour laver ma vitre. Puis là, après, jamais au lavage. Puis là, quand j'accumule plein d'affaires puis de guenilles, là, on fait un on lavage. Fait une brassée. Mais j'en ai tellement que justement, je peux attendre d'avoir beaucoup, un gros volume ou de faire des petites brassées. Fait, en tout cas, finalement, j'adore ça. C'est mes guenilles préférées. Oui, un franc succès. Qui est né suite au papier de toilette. Donc, comme Marc-Claude disait, souvent, c'est de créer le mouvement. Là, c'est vraiment ça le truc. Là, c'est de briser l'inertie. Puis les choses, comme il y a un mouvement qui se crée. Puis un momentum. Puis là, à un moment donné, on gagne confiance aussi en ses capacités. Parce que, je veux dire, j'ai des capacités très rudimentaires de couture, là. Je veux dire, la base, je l'ai appris en économie familiale. Coude des lignes droites. Puis, on a la même machine à coudre depuis longtemps. Tu sais, des trucs de ma mère puis de ma soeur qui travaillait au club dessus. Mais je suis jamais allée plus loin. Ma soeur, c'est poser un zipper. Mettons, moi, je suis pas capable. Je sais pas si je vais l'apprendre un jour, là. Mais je sais au moins coudre un carré puis réparer des mini-trucs à la main. Ouais. Une autre affaire que ça me tentait pas tant de faire, c'est que j'avais une camisole que j'aimais beaucoup. Mais je pense, j'ai acheté à Friperie, puis je pense qu'avant, il y avait comme un petit ruban qui passait, fait qu'il y avait des petits trous, genre. Puis j'aimais pas ça. Fait que là, je me disais, je pourrais juste arrêter de la mettre, ou je pourrais fermer les trous à la main, genre, t'sais, parce que c'est pas quelque chose qui se fait à la machine à coudre. Fait que là, je me suis dit, OK, il va le faire. Puis ce qui m'a inspiré à le faire, c'est parce que je lisais le livre de Patagonia, du fondateur, Yvon Chouinard, qui a écrit, c'est dans son livre Let My People... People Go Surfing, je pense. Ouais. Parce qu'il y a une série de trois, fait que c'est peut-être pas dans le bon, mais... Ben, on peut le montrer, je pense qu'il est dans le post, justement. Puis, il expliquait comment... c'est la photo à gauche. Je pense que c'est un post Instagram. J'avais encerclé le sous-titre de sa page, c'est... Repairing is a radical act, je pense. Ouais. Puis... Ouais, repair is a radical act. Repair is a radical act. Je sais pas si vous savez... Patagonia fait, dans l'industrie du vêtement, ça fait des décennies qu'ils sont là-dedans, mais ils se sont réalisés à un certain point que l'impact environnemental industriellement est absolument terrible et qu'ils ont commencé à réfléchir à leurs matériaux, investir même pour améliorer la production locale, plein d'affaires comme ça. Mais
une initiative que j'ai trouvée. Puis, ils encouragent aussi ouvertement à ne pas consommer inutilement de leurs propres produits. Oui. Mais une initiative que j'adore, c'est qu'ils parlent de... ils ont fait une voiture, une van, qui se promenait puis qui réparait les vêtements des gens. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis en lisant ça dans le livre, je sais pas si c'est dans le livre qui en parlait à ce moment-là, en tout cas, je sais pas si c'était initial, mais ils parlaient déjà de réparer des vêtements. Puis je pense qu'ils ont même un département là où ils recombinent des vêtements ensemble. Ils recyclent les vêtements, mais... Si une pièce est encore belle, il y a juste besoin d'un morceau, des fois, ils recomposent des vêtements à partir de comme 6-7 affaires différentes. Mm-hmm. Puis, ça vaut quand même cher. En fait, je pense que ça coûte plus cher qu'un neuf parce que la main d'œuvre, c'est ça l'affaire. Faire les choses en main, c'est ça coûte l'argent. C'est comme l'affaire deux, trois fois. T'sais. Mais l'histoire du vêtement devient encore plus épique. Puis, tu sens que tu... Mm-hmm. Il n'y a pas d'autres items comme celui-là, en fait. Non, exactement. Ça fait des systèmes uniques. Ouais. Fait que je pense qu'on passe d'une étape de production de masse à une envie d'avoir des systèmes uniques. Fait que, en tout cas, en lisant ce chapitre-là, j'ai fait « OK, c'est un mini-geste, mais ça fait du sens. » Fait que là, au lieu d'aller pas jeter ma camisole, mais j'aurais pu l'ordonner à la friperie tout simplement, ouais, mais elle devenait un petit peu moins belle. Je vais la réparer, je vais la coudre. Fait que c'est fait. J'ai fait le geste. Fait que c'est comme la... Puis c'était ça, les photos qu'on voyait, là, c'est Marc-Claude qui coule les trous de cette camisole-là. Puis, ben je pense que c'est ça le dernier lien... de la valeur du mouvement, de bouger plus, outre les calories, la force musculaire, toutes ces affaires-là qu'on a l'habitude d'entendre parler pour l'activité physique. Non, Isabelle Delaurier qui commente « Bidet en temps de pandémie égale win ». Yeah! Yeah! Complètement d'accord. C'est puis Cathy Bowman en parle aussi, c'est comment nos mouvements nous lient à notre communauté. Mm-hmm. Puis, c'est ça que je réalise, c'est que quand on a des projets ou quand on va faire des choses, en général, je vais chercher de l'aide ou ça devient une expérience. Oui, ça inclut d'autres humains. Ça inclut d'autres humains. Ça nous frappe assez vite quand on se met à créer des choses. On dirait que c'est contagieux. Puis, il y a plein de gens qui veulent nous aider. Ou nous, il faut aller voir des gens pour avoir de l'aide. Exactement. Ouais. Puis, ça a été le cas, c'est ça, pour toutes sortes de petits projets que j'ai faits. Puis... même si on décide de ne pas fabriquer les choses soi-même, ben marcher jusqu'à des marchés fermiers ou aller à la rencontre des gens. Des artisans. Puis de valoriser le travail manuel d'artisans, ça aussi, c'est une autre façon. Parce qu'on s'entend, on ne peut pas tout faire là, dans la vie. Là. Je sais que le zéro déchet, je parlais avec une autre, mon acupunctrice, elle m'expliquait que, elle, je pense, c'est une journée par mois, elle fait genre son savon, son pain, toutes ces affaires, puis elle dit à mon avis, ça devient soufflant, là, parce que c'est plein de petites choses, puis ça devient beaucoup. Fait que c'est vrai que ça peut devenir un fardeau, puis intimidant. Fait que c'est de dire, OK, bien, dans les cas où on ne va pas tout faire de A à Z, est-ce qu'au moins on peut acheter ou voilà, redonner, mais à des gens qui ont fait les choses à la main? Fait que, tu sais, dans. Comme on ne chasse pas toute la viande qu'on mange. Non, exactement. Mais. On essaie d'acheter le plus possible de la viande qu'on mange chez Pascal le boucher, qui est notre boucher. On l'appelle notre boucher. Mais qui, justement, lui, s'assure que fait affaire directement à des fermes du Québec, s'assure que les animaux sont élevés dans des bonnes conditions. Trouver des gens de confiance. Fait que c'est un peu ça, c'est de trouver des gens de confiance qui font bien les choses, puis interagir avec eux, tu sais, comme de les encourager, puis. Ouais. C'est comme ça qu'on... Puis il y a un lien humain qui s'établit, parce que nous, on va faire notre épicerie comme c'est ça, tout le temps à pied, puis c'est quand même à une demi-heure de marche. Puis on achète du gros volume, fait que ça nous fait une charge pour transporter les affaires. Mm-hmm. Mais nous, ce qui nous fait sourire, la cerise sur le gâteau, c'est que, bien, Pascal, son nom est dans le nom de la boutique, là, mais comme on connaît les employés, on leur dit bonjour, on est content de les voir. Genre, il y a quelque chose ils de spécial. Ils nous reconnaissent quand on arrive, puis on peut parler de. Puis que, autant que quand on mange, que quand on consomme, tu sais, qu'on utilise la chose, on repense à ces humains-là. Puis je pense que c'est ça la valeur ultime de ce qu'on fait au quotidien, c'est de vivre dans l'amour et l'abondance. Mais tu sais, justement, si on revient à des systèmes de nettoyage, ça, c'est un autre thème. Mes parents, une année, ont fait dans nos bonnes Noël des linges à vaisselle. Ah, c'est tes parents qui ont fait ça? Oui, oui. Je savais même pas. C'est pour ça que c'est mes préférés. Wow. En plus, ils sont noirs. Ils connaissent bien leur fille. Sinon, toi, ton préféré, c'est celui-là. Celui-là. Tadam! Qui vient d'un... C'est en fait une grand-mère de Gaspésie, la grand-mère d'un ami de Gaspésie qui l'a tissé au métier à tisser.
il y a quelques années. Puis, il est indestructible. Et c'est fou. C'est le meilleur linge que j'ai vu de ma vie. Là. Puis, en plus, il a été tissé par une grand-mère en Gaspésie. Ça n'a pas de prix, des objets comme ça. Sinon, OK, ben quand on parle d'effet boule de neige aussi, de nos mouvements, ben là, on a torsu, toi, dans ton bonnet. Ouais. Un autre truc populaire du zéro déchet, c'est les Q-tips réutilisables. Mais moi, ce que je fais que j'aime bien, c'est que justement, grâce à mes, mettons, mes mouchoirs ou mes papiers toilettes, c'est que, tu sais, ça, dans le fond, je pense pas que tu es supposé te le mettre direct dans l'oreille. Tu es supposé mettre. Je ne l'utilise pas, en fait. Toi, tu l'utilises pas, c'est ça. Mais moi, mettons, quand j'ai de l'eau dans les oreilles puis ça m'énerve, ben je vais justement utiliser mon petit mouchoir puis c'est comme super doux encore. En fait, c'est pas vrai que je l'utilise pas. Je l'utilise pour nettoyer mes lunettes, des fois. Ah, OK, bon. Ben. Parfait. Mais c'est utile, mais souvent, tu sais, c'est du caoutchouc ou du silicone. Fait je pense, il me semble, en tout cas, j'ai même pas regardé, mais je pense qu'ils recommandent de mettre justement une petite lingette par-dessus, là, en tout cas. Fait tu sais, ça se combine super bien avec ce genre d'item-là. Ouais. Mais bon, c'est pas la chose qu'on utilise le plus, mais ça m'a fait réfléchir dans notre attirail de salle de bain, qu'est-ce que, qu'on avait récemment. Il n'y a pas grand-chose. Ben, c'est une des choses. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a ça. Les débats. OK, ouais, ça, on a parlé. Puis, sinon, ben, les photos qu'on a mis, on a mis les photos dans la page juste parce que c'est un highlight qui est arrivé hier. Là. C'est à date pour le bébé, on a reçu plein de cadeaux, puis plein de cadeaux faits à la main. Comme là, ma tante nous a donné une couverte comme ça. Côté à la main, par une tante. À Noël, ma soeur, une de mes soeurs avait un toutou, l'autre nous a aussi fait une couverte. Il y a plein de cadeaux faits à la main comme ça qu'on adore. Notre cousine nous a fait notre sac à couche. On a un sac à couche fait à la main, avec des renards dessus, évidemment. Ouais. Puis là, hier, fait, on a reçu tellement de cadeaux déjà que je me suis dit, je vais attendre avant d'acheter des choses, là, comme je ne suis pas tant anxieuse ou pressée. Fait que là, mais là, hier, j'ai su que le cercle de tricot de Radio-Canada avait un kiosque à Jean Talon. Mm-hmm. On habite à côté du marché. On habite à Talon. Puis c'est des tricoteuses et des tricoteurs, parce que j'ai su qu'il y avait aussi des hommes, qui font toutes sortes d'objets et de choses, puis qui les vendent au profit d'une fondation. Fait que là, je suis allée en courant. Puis on a acheté les premiers items pour notre bébé. Yes! Fait que ça n'a pas rapport avec la propreté, mais c'est ça juste nos priorités. On va avoir un enfant, c'est ça les premiers items qu'on achète. Fait que, en tout cas, c'est juste une petite mention spéciale. Puis encore une fois, ben c'est le plaisir de connaître les gens qui font les choses. Ce petit lapin a été fait par une dame qui s'appelle Louise. Puis pour moi, ça, c'est magique. Ce feeling-là on sait, magique. On sait le nom de la personne qui exactement a tricoté le toutou exactement qu'on a acheté. Puis, ben là, si on revient dans le monde du lavage, ben il y a aussi, tu sais, toutes les lavettes réutilisables qu'on connaît. Il y a une des dames hier qui était une excellente vendeuse. Vraiment une bonne vendeuse. Ben, elle était comme bonne pour présenter les kiosques, puis elle me montrait ça, qui est comme, ça s'appelle un tawashi. Je savais même pas que ça avait ce nom-là, mais c'est comme les petits trucs soit à récurer, mais elle m'expliquait qu'on peut aussi se laver avec. Fait que ça va être mon prochain item à récurer pour. On dirait un truc comme une fausse boule de Noël exactement. De vitrine de magasin. Ah, ouais. J'aime les trucs classiques, comme je dis, j'aime le noir, mais des fois, des petits trucs qui amènent un peu funky. Qui font sourire ou un petit peu funky. Ah, puis il y a des photos du lapin. Lapin qui s'appelle Danny. Danny le maraîcher. Parce que, bon, on a un ami. Danny Bouchard, qui est d'ailleurs qui a lancé un cours en ligne par le biais de l'Académie Potagère, un projet qui est parti avec des amis. Puis qui est passé à notre podcast aussi, si ça vous intéresse, qui est quelqu'un qui fait de la slackline, puis qui est maraîcher. Donc, il a un parcours vraiment intéressant. Puis c'est ça, vu qu'il y avait une petite carotte dans la poche du lapin, on a décidé de l'appeler Danny. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça, il y a un petit chandail aussi, ça, on l'a pas ici. Non. Ah, je l'ai laissé dans le. Un petit chandail, une couverte. Puis des trucs de nettoyage. Bref, Marc-Claude est revenu avec plein d'affaires à cause de la petite madame qui demandait bien ces choses. Merci. C'est sûrement pas Louise, en tout cas. Une dame. Mais c'est aux dames. Ben, le chandail est fait par une Janine et je l'ai écrit à ma soeur. Puis la couverte, puis la couverte est faite par. Lorraine. Il n'y a pas une Lorraine. Lorraine. Lorraine, Louise, Janine. Ouais. Merci. Ouais. OK. Sinon, pour terminer, notre prochain défi pour. Une fois qu'il y a un certain enthousiasme puis un certain confort, on repousse toujours la limite. Mm-hmm. Puis il y a des choses qu'on s'apprête à faire, que moi je m'apprête à faire, que j'aurais jamais pensé. Mm-hmm. Puis que quelqu'un pourrait trouver de tellement extrême, mais que je me rends compte encore une fois qu'un petit geste à la fois, c'est là qu'on arrive, que des choses plus extrêmes font du sens. Et notre prochain défi, ce que je prépare à dire, c'est le no-poo,
qui est la stratégie pas de shampoing. Pas de shampoing. Est-ce que c'est possible de vivre sans shampoing? Parce que, encore une fois, le premier réflexe quand on veut être plus écologique, une des phases qu'on va traverser, c'est de dire, OK, est-ce que je peux remplacer le produit par une version, une alternative moins dommageable pour l'environnement, qui a moins de toxines. Moins de phtalates et de trucs comme ça. Ça fait des années que on recherche du shampoing plus vert. L'étape 1, c'est de regarder un peu les ingrédients puis la provenance de ce qu'on achète. Le contenu de nos savons. Acheter des savons artisanaux, comme ça, ce qu'on a reçu dans notre Bonne Noël, qui vient d'une ferme, je pense, sur, à Laval, qui a été donnée par ta maman. Oui, à base de gras animal et végétal, je vois. Une autre chose qu'on apprend, c'est ça l'affaire, quand on change nos habitudes, on apprend toujours plus de choses, puis l'idée de se laver avec du gras animal, ça peut répugner certaines personnes, mais en même temps, c'est sûrement que comme ça que le savon a commencé. Ben oui. Parce que nos quand... ancêtres ne se lavaient pas avec de la noix de coco. Non, parce que quand, justement, quand on revient à cultiver des choses, élever des animaux, ben il n'y a jamais de perte, tu sais. Exact. Puis le gras animal était notamment utilisé. Puis on le voit justement chez Pascal. Quand on va chez Pascal, il y a tout le temps un petit rack avec des savons faits avec du gras de porc. Puis c'est parce qu'il n'y a pas de perte. C'est quand même c'est ce que nos ancêtres faisaient. Ça nous intéresse. mais bref, fait que tu sais, dans certains comportements que j'ai changés cette année puis que j'apprécie, c'est de dire, OK, au lieu de, tu sais, OK, du savon ou prendre sa douche, comment est-ce que ça se remplace par du mouvement? Bien, une des choses que j'ai faites, que je fais certains matins, puis que j'aime vraiment beaucoup, en fait, c'est de me laver à des barbouillettes, de me laver à la mitaine. Puis, je pense que j'aurais pas eu cette idée-là si c'était pas de ma mère qui me racontait... Ma mère a vécu sur... puis notre famille est encore dans le Kamouraska, sur une ferme. Puis elle m'expliquait que c'était de l'eau de puits, puis qu'il y avait quand même une certaine quantité limitée. Puis qu'au lieu de prendre des bains comme une douche, ben, je pense qu'il n'y avait pas de douche initialement, c'est un bain, à une aussi grande fréquence que ce qu'on fait de nos jours, là, souvent c'est comme soit chaque jour ou une journée sur deux. Il y a des jours où il se lavait tout simplement avec une débarbouillette, tu sais, puis l'idée de ça, des fois, peut sembler inconcevable. C'est bizarre comment ça peut sembler inconcevable aujourd'hui, tu sais, quand on est tellement habitué à se dire, non, pour être propre, il faut une douche par jour. Puis j'ai fait, ça a comme resté dans ma tête, là, avec les... Je ne sais même pas quand elle m'a raconté ça. Puis je pense que c'est une idée que j'ai donnée à Dor Shira quand je faisais la visite en anglais. C'était pour un de nos amis qui était en Australie. Donc, on a fait une autre vidéo de la visite de l'appartement. Mais anglais. En anglais, pour Dor. Puis lui, il cherchait des idées de jeux pour... Aussi, de ramener du jeu pour les enfants. Fait que là, je me dis, ah, sûrement qu'avec un enfant, ça peut être drôle parce que ça amène du mouvement. Puis c'est niaiseux, mais la sensation de... comme frotter son corps. Puis c'est pas la même chose dans la douche que pas dans la douche parce que la guenille peut être genre froide puis là, c'est comme tu frissonnes. Mais tu sais, comme, il y a quelque chose de le fun, c'est le toucher. Je trouve ça quand même vraiment important. Puis il y a une partie de moi qui se dit, ah, ben je gaspille moins d'eau. Encore une fois, je sais pas à quel point au Québec c'est problématique, mais je me dis... Si on peut en sauver un peu, on va en sauver. Si on peut en sauver, tant mieux. Puis ça fait que... on connecte avec notre corps différemment. Ça fait bouger parce que c'est niaiseux, mais de devoir se pencher puis s'étirer, puis ça fait bouger. Puis c'est aussi pratique dans d'autres situations. Je pense qu'une de nos obsessions d'utiliser moins de ressources, c'est aussi qu'on veut vivre dans une van. Tu sais, on veut se promener beaucoup en van. Puis si, le plus on simplifie notre style de vie, le plus c'est facile de vivre dans une van. Absolument, absolument. Fait que, même là, j'ai vu, tu sais, quand on parle des marques de bidets qui s'en viennent, qui sont comme full fancy, là, dans les produits, les accessoires que la compagnie, une des compagnies que j'ai vu a créé pour compléter le panier d'achat puis créer d'autres affaires, c'est un bidet portable. Je pense que je te l'ai envoyé en joke en disant... parce que Vince, là, maintenant, quand il n'a pas son bidet, il se sent moins propre, là. Ben, c'est... pas vrai. On y prend goût. Après 3 ans, utiliser un bidet, quand tu vas aux toilettes chez quelqu'un d'autre, t'es comme, ah, ça va être toilette pour le reste, je vais me frotter ça, c'est... Mais... fait que là, j'ai envoyé en joke, mais tu sais, finalement, c'est une gourde avec... C'est une gourde. Tu fais ça, puis là, ça a un petit jet qui sort, c'est comme... c'est une gourde, mais c'est quand tu rends ça marketing, tu t'appelles ça un bidet portable. Ouais. Fait que là, j'ai dit en niaisant, comme, quand on va être en van, tu pourrais t'apporter ça, en fait. T'sais. Ah ouais? Mais je pense que c'est ça. Une partie de notre obsession d'utiliser moins d'eau puis moins d'énergie, c'est pas parce qu'on a... j'ai pas encore lu d'études sur l'impact de la consommation d'eau en ville. Ou dans ma tête, juste moins, c'est mieux. Mais c'est aussi parce que, c'est ça, quand on vit en van, il y a quelque chose de le fun. Tu sais, si après 2 jours, tu es habitué de prendre une douche puis tu t'en constamment crasse, ben être en van, c'est comme, ça peut être chiant. Ou faire du camping, ça peut être chiant. Puis
encore une fois, rajouter des technologies, puis le camping devient du glamping, là, c'est le nouveau nom pour du camping glamour, fait que là, c'est des tentes belles avec des ci, puis des ça, puis des... Nous, on essaie de garder ça le plus rudimentaire possible. Mm-hmm. Puis quand on vit sur la route, puis on le faisait même avec Participation, des fois, justement, t'arrêtes dans un... Pas dans un commerce, mais mettons, dans un McDo, mais tu sais, je sais pas, dans quel... on serait que ça serait pas bizarre, mais juste le fait de laver à des barbouillettes vite, vite, ça fait du bien. Ah, oh, ça rafraîchit. Pas... ouais. Mais, fait que c'est ça. De même pas utiliser de produits, moi, c'est souvent mon but ultime, parce que le défi, je le trouve stimulant, puis je trouve ça pratique après. Donc là, je reviens au shampoing. Le shampoing. Parce que... Toi, tu le fais. C'est ça. Moi, je le fais depuis... Ça doit faire après 4 ans. Après, depuis mon voyage en Inde, ça va même faire plus que ça. Ça doit faire 4-5 ans, peut-être, que j'utilise plus de shampoing. À l'époque, ben, j'avais les cheveux rasés. Donc, ça paraissait... Ben, pas que ça paraissait pas, mais l'impact n'était pas majeur. Mais j'ai quand même eu une époque, une longue époque dans ma vie, j'avais les cheveux rasés puis je me shampoonais quand même les cheveux, ce qui est drôle quand on y pense. Mais donc, j'ai arrêté d'utiliser le shampoing puis je les ai laissés pousser par la suite. Puis, mes cheveux sont soyeux et formidables maintenant. Parce que, bon, quand on arrête le shampoing, je sais pas si on veut tomber dans le sujet, mais quand on arrête le shampoing, ben, veux pas, le shampoing, ce qu'il fait, c'est qu'il retire le sébum, si on veut, des cheveux. Donc, comment t'appelles ça? Le gras. Il retire le gras des cheveux. Puis, de ce que je comprends, le conditionneur vient en rajouter un peu. Ou des fois, ouais, c'est ça. Le shampoing, on déshydrate notre cheveu. Avec l'eau chaude puis des produits. Puis là, on essaie de le réhydrater avec des produits. Réhydrater après. Alors que si on fait juste laisser le sébum naturel que notre cuir chevelu produit s'occuper de nos cheveux, ça fait complètement le travail. La seule chose qui peut arriver, c'est que, bon, là, si on arrête subitement le shampoing puis qu'on a les cheveux quand même longs, comme mon épouse, ben ça fait en sorte que le cheveu est sec jusqu'à la pointe. Là, le sébum est produit pas par le cheveu, mais par le cuir chevelu. Donc là, il faut que le sébum se rende jusqu'à la pointe des cheveux pour qu'il ait une texture naturelle et qu'il puisse faire son travail. Fait qu'il faut soit l'aider, faut soit attendre. Il y a une partie de... Après des années d'utilisation de shampoing, ben, ça peut prendre du temps avant que le cheveu redevienne en santé sans shampoing. Puis ça, il faut un peu l'accepter. C'est un peu ça la game aussi. Mais il y a des choses qui peuvent aider. Puis je pense que toi, tu as commencé à en faire. Exact. Ben, c'est quoi le lien? Pour toujours ramener avec le mouvement. C'est quoi le rapport entre le no shampoo puis le mouvement? C'est ça, l'idée de... Le no poo, mais je trouve ça bizarre comme abréviation, là, le no poo, parce que poo, ça fait référence à du quelqu'un. Mais en tout cas, mais c'est le sans shampoing. Le lien avec le mouvement, c'est qu'une des façons de s'en sortir, surtout, je pense, pour les filles, parce que toi, dans le fond, t'avais les cheveux rasés puis t'as juste pas shampooiné tes cheveux. Ouais. Mais une chose que j'ai commencé à faire puis qui a même joué pour moi, c'est que j'ai commencé à prendre des douches froides, en fait. Je prends juste des douches froides maintenant. Puis tu trouves que tes cheveux sont plus beaux? Puis, ben en fait, c'est que l'eau chaude enlève du sébum aussi. Puis c'est pas qu'on y pense, qu'on revient en arrière encore une fois, qu'on enlève le chauffe-eau qu'il y a dans nos maisons. Ben nos ancêtres, ils se lavaient pas chaque jour les cheveux à l'eau chaude, nécessairement. Si on remonte vraiment loin, c'était des lacs, des chutes. On utilisait ces choses-là pour se nettoyer, nos mains, des seaux d'eau. Fait que, tu sais, c'était pas... Le corps est pas super bon pour gérer des choses qu'il a jamais faites dans le passé. Fait que j'ai remarqué qu'à partir du moment où je nettoyais, je lavais mes cheveux, ben je rinçais mes cheveux, parce que je n'utilise pas de shampoing, mais je rince mes cheveux à l'eau froide une journée sur deux, à peu près. La texture est vraiment... On dirait que ça enlève la saleté. Même si je pense pas qu'il y a tant de saleté dans mes cheveux. Là. Je travaille pas dans une mine de charbon. Ouais, d'une petite vie confortable dans un appartement. Puis tu sors de temps en temps. Je m'entraîne. Puis je sors de temps en temps. Là, mais pour avoir les cheveux vraiment sales, c'est des contextes bien précis. Là, mais fait que je me rince les cheveux à l'eau froide. Puis ça fait en sorte que le sébum reste sur mes cheveux. Ça n'enlève pas. Puis j'ai une chevelure... 100% naturel depuis quelques années. Mais c'est vrai, c'est tellement anodin comment même l'eau chaude, tu sais, se laver à l'eau chaude ou avec une douche, c'est tellement essentiel dans notre quotidien maintenant qu'on oublie que c'est encore
tellement récent, comme pour revenir à l'anecdote de ma mère. J'ai dit, ben pourquoi vous laviez à mitaine? Parce qu'il n'y avait comme pas assez d'eau, en fait. Puis c'est parce qu'il y avait un puits, puis c'était le puits qui devait alimenter toute la famille. Puis c'était une grosse famille, il était 10, plus les animaux de la ferme. Fait qu'il y avait effectivement une quantité limitée. Puis là, quand j'ai dit, ben là, est-ce que vous aviez un chauffe-eau? Puis elle était comme, ben là, on n'était pas quand même aussi rudimentaire, là. Je pense que le bain, il y avait l'eau chaude. Mais encore une fois, elle avait l'air de m'expliquer. En tout cas, je l'ai appelée juste deux minutes avant. Parce que je ne voulais pas dire des niaiseries, là, mais peut-être que l'anecdote va changer par après. Mais de ce que je comprends, il y avait encore une partie de l'eau de la maison qui était chauffée par le poêle au bois. Là, t'sais. Mm-hmm. Fait que je me demande combien de générations on retourne en arrière de nos ancêtres qui n'avaient même pas accès à de l'eau chaude récent, courante. Là. C'est super récent. Là. Fait que pour moi, l'idée que quelque chose d'aujourd'hui soit absolument un immanquable puis impensable de vivre sans. Moi, je suis pas mal sûre qu'on est capable si ça fait juste comme trois générations qu'on l'a, là. Tu sais, c'est comme... Il n'y en a pas de problème. Mais bon, ramener au mouvement, c'est qu'une des techniques pour... Je pense, les filles aussi, là, parce que, c'est ça, les cheveux longs... C'est pour ça que je porte une casquette aujourd'hui, en fait. Parce que j'ai récemment décidé que j'allais faire ça. Ouais. C'est en confinement, on voit moins de monde, n'est-ce pas? Puis, on est à la fin de l'hiver, là. Ben, en tout cas, on est rendu au printemps. Puis, je me disais, bof, je vais laisser aller. J'ai déjà essayé, voilà, une couple d'années. Puis, je m'étais découragée parce que la force, c'est que, justement, ton corps qui est habitué de faire du sébum arrête juste jamais d'en faire. Mm-hmm. Puis, arrive un seuil où tes cheveux, c'est plus cute, pantoute. Parce que même pour compenser avec le shampoing, mais le corps va surproduire du sébum aussi. Exactement. Parce qu'il est comme, les cheveux sont secs, ah! Puis, il produit full de sébum parce qu'on l'enlève chaque jour. Fait que ça crée une espèce de cercle. Mm-hmm. Un cercle vicieux. Oui, vicieux. Puis, biologique, là, que ton corps continue de surcompenser en sébum, même quand tu arrêtes le shampoing. Il faut que le corps s'habitue. T'sais. Fait que là, l'affaire des filles, surtout les filles qui ont les cheveux longs, c'est qu'on peut. Tu sais, une des techniques avec le pas de shampoing, c'est de remplacer par des shampoings comme plus doux ou des d'autres genres de produits comme. Il y en a qui utilisent du vinaigre ou de la petite vache, ça va dans la même. Moi, je me suis dit, je vais juste, tu sais, comme rincer à l'eau, déjà l'eau chaude disperse. Mais l'autre aspect, c'est le travail mécanique de prendre une brosse. Souvent, ils recommandent une brosse en poil de sanglier pour étaler le sébum. Poil de sanglier, rien de moins. Puis, ça a l'air tellement pas attrayant initialement. Puis, dans ma tête, justement, après la phase trop grasse, j'étais comme, j'abandonne, je veux pas vivre ça. Tu sais, je travaillais dans un milieu sérieux, en guillemets. Je pouvais pas, j'avais pas le... la possibilité de me présenter au travail. T'es une femme d'affaires. J'étais une femme sérieuse. Mais maintenant, je me portais des cotons wattés puis des casquettes. Ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais faire le travail. Fait que je me suis acheté une petite brosse. Puis encore une fois, il y a une partie de moi qui est paresseuse, qui n'a pas envie de se brosser les cheveux comme ça tous les jours. J'aimerais mieux. Tu vas dans la douche, tu prends un produit, tu frottes un petit peu. Puis là, 5 minutes, c'est fait. Mais je me dis, non, ça vaut la peine, je vais essayer de passer au travail. J'ai essayé des témoignages en ligne, il y a des filles qui le font depuis des années, puis qui aiment mieux leurs cheveux, en fait, parce que c'est vrai, puis je réalise déjà, là, mes pointes, mon cheveu a l'air plus épais, puis vraiment mieux hydraté. Mm-hmm. Parce que finalement, notre sébum doit mieux hydrater que n'importe quel gosse qu'on s'achète dans la tête. Pas mal sûr que la nature... C'est ce qu'elle fait. Des millions d'années d'évolution. Nous offre déjà ce qu'on a besoin pour notre propre corps. Fait que, moi, c'est ma théorie. Plus qu'une technologie qui a 100 ans. Oui. Puis, c'est ça aussi le ridicule des fois, c'est que l'idée de me brosser les cheveux chaque jour me semble être une corvée additionnelle. Mm-hmm. Mais ce qu'on oublie, c'est que, mettons, acheter du shampoing, acheter des affaires, bien, encore une fois, on externalise nos mouvements. D'autres personnes font le travail pour créer ces produits-là, mais comme, faut aussi, c'est ça, prendre... Notre douche chaque jour, aller acheter les produits, gérer les déchets. Il y a comme plein d'autres mouvements aussi que des fois on oublie avec la consommation, que sur le coup, ça a l'air l'option la plus facile. Mm-hmm. Mais l'argent que je dépense aussi pour ces produits-là, il faut que je l'aille travailler. Il faut que l'argent rentre. Là. Fait qu'il y a des efforts aussi qu'on fait. Puis... Fait que finalement, moi, mon but, c'est que si je le pull off, puis vous êtes peut-être essayé, je sais pas si vous l'avez essayé, vous avez des témoignages à partager, mais. Mon but, c'est vraiment, vraiment d'essayer fort. En fait, ouais, si vous avez des témoignages, ouais, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur la vidéo. Nous intéresse. Ça, ou du support moral. C'est de dire, ben cet effort-là, initial, va me simplifier la vie plus tard. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, si on va en camping puis qu'après 2 jours, je me sens pas comme complètement... Mm-hmm. C'est quand même un avantage.
Si tu as juste à te brosser les cheveux en camping pour me sentir normal, de ta chevelure, on va se baigner dans un lac, puis genre, je suis correct. C'est quand même intéressant comme style de vie. Ouais. Mais bon, à suivre. À suivre. À suivre. Fait que sinon, ben on peut ouvrir. Je pensais que ça allait être la fin, le pot de shampoing, là. Mais pour refaire le lien avec la toilette, je vais reposer la même question qu'on a faite dans Vivre sans bébelle, là. La première série qu'on a faite, c'est pour les trucs pour enfants. Ah oui. Vivre sans bassinette, vivre sans poussette. Vivre sans divan. En tout cas, mais... Vivre sans papier toilette. Si on revient dans le monde de l'hygiène, un des trucs qu'on va faire aussi avec notre enfant, c'est qu'on va essayer de vivre sans couche. Mm-hmm. Encore une fois, on enlève quelque chose, mais on rajoute, il y a quelque chose d'autre, là. On va pas le laisser tout nu faire ses besoins n'importe où. Dans les coins. Il y a d'autres choses, il y a d'autres approches. Fait que si on revient à cette idée-là, avant, ça n'existait pas, les couches industrielles absolument n'existaient pas, mais même avant qu'on commence à utiliser des couches en tissu, comment l'humain fait dans la nature? C'est une bonne question. C'est une question que je me suis posée. Enfin, j'avais absolument pas la réponse. Puis j'ai googlé des bébelles vraiment exploratoires, puis je suis tombée sur des ouvrages qui expliquent. Mais si vous aviez à répondre à la question, comment on faisait sans couches? Puis comment est-ce qu'on peut être propre pareil? Parce que c'est ça la question. Ben oui. Ça, c'est nos réflexions. Mais ça, c'est une expérience que ça prend un troisième joueur. Exactement, c'est le bébé. Fait que c'est pour ça qu'on ne fera pas de live encore une fois. On va vous parler de notre propre expérience. Mais je vous invite à regarder tout ce qui vous entoure et à dire comment on faisait sans cette chose-là. Puis comment est-ce que si je le fais moi-même, ça rajoute du mouvement, ça rajoute du sens dans ma vie. Je consomme moins, j'ai plus d'argent. Mm-hmm. On est heureux. Yep. OK. C'est ça. On a couvert notre temps. On a couvert le temps, couvert toutes les notes. C'est bon. Bien, merci d'avoir été là. On se voit. La semaine prochaine. Oui, samedi prochain. Même heure, même poste. À bientôt tout le monde. Bonne fin de semaine.